Bonjour, 100 euros, s'il vous plaît. Désolé, c'est pas possible. Il vous reste 80 centimes. Plus de femmes, plus de fric, plus de boulot. Cette mine, c'est notre mémoire, c'est notre vie. Et une mère à qui je dois donner des somnifères pour sortir le soir. Mais il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer le sang de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrais plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, gamin. Mais c'est une super idée. Complètement con. Et toi, tu sais construire un parc d'attractions, là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mou, vous allez finir comme deux glands, et ce sera bien fait pour vous. Madame le maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Où est-ce qu'on voulait la donner? Je vois pas de quoi tu parles. Vous savez combien ça peut vous coûter, une dégradation de bien public? Je ne laisserai pas détruire ma ville. Qu'est-ce qui se passe, Tiki-Tac? Vous voulez faire partie de l'aventure? On travaille, nous. C'est pas flagrant. On est à plus de 280 likes, les enfants! Et où votre manège, là? Vous êtes dessus. Oh, papa, c'était génial! J'ai pas été viré, c'est pas le jour du RSA. Mais vous êtes plus à la recherche d'un emploi, puisque vous construisez votre parc. Il y a l'URSSAF aussi à payer, hein. Super message. Ah bon? Il y a même un Russe qui veut nous copier. Il veut construire un train fantôme près de Tchernobyl.